Waouh! Mes frères et sœurs, c'est inquiétant. L'heure est grave. Ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, moi-même, je n'y croyais pas. Mais quand j'ai vu ça de mes yeux, mes frères et sœurs, j'étais même dépassé, j'étais même surpris. Je ne pensais pas que c'était possible. Waouh! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue, nous sommes sur Yannick Bond. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonné, cliquez sur la cloche sur la tibie et soyez prêts, nous allons au studio maintenant. Waouh! Ce que nous avons vu dans le témoin puissant précédent va être confirmé ici dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir de nos yeux comment le diable il arrive à amener les femmes à s'habiller même comme les démons. Mes frères et sœurs, ça risque de vous faire peur. Soyez forts. Soyez forts, mes frères et sœurs, ça va aller. Soyez donc prêts parce que ce que nous allons même découvrir là tout à l'heure, ça va être chaud. Regardez même à l'écran. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose, mes frères et sœurs? Regardez ça. Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est une vague d'occupants, des personnes qui sont étonnées, de surpris, de voir que. Il y a des choses hors du commun, voire des choses incroyables, vrai, c'est bon. Mais qu'est-ce qui peut étonner autant de personnes comme ça? Mes frères et sœurs, si on ne vous a pas montré ça, vous nous direz que ce n'est pas bien. Permettez-nous de nous asseoir. Nous allons nous positionner et vous allez voir de vous-même. Qu'est-ce qui peut paraître vraiment très étonnant dans cette histoire? Nous sommes souvent surpris. Cette belle et jolie fille est aussi étonnée. Étonnée de voir quoi ou de voir qui? En fait, étonnée de voir ça. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une chaussure. Mais quel est le problème avec cette chaussure? Le problème avec ces chaussures, c'est que ces chaussures est exactement comme un sabot de cheval. Quoi? Mais qui a pu bien faire un truc pareil? Et pourquoi? C'est une belle question. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que dans la vie, on peut être inspiré que par deux esprits. Soit vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu, où vous êtes inspiré par les démons. Ce sont les démons qui vous inspirent, mais vous ne le savez pas. Et quand les démons inspirent les gens, des gens qui sont par exemple des designers, ces gens se mettent à créer des vêtements qui sont en général sexy. Et ça peut donner aussi ça, ce que vous voyez à l'écran. Et ça, c'est conçu pour quoi? C'est pour conçu pour faire marcher les femmes. Mais marcher, faire marcher les femmes comme qui? Comme le diable ou encore comme les démons du diable. Est-ce que les femmes sont-elles des animaux? Vous pouvez être un truc pareil. Si vous ne savez pas d'où ça vient, nous allons vous montrer ça. Regardez bien ça. Que voyez-vous le camp, mes frères et sœurs? On voit un monument, quelque chose qui a été bâti juste en pleine ville. Et tous ceux qui passent là, ils peuvent voir ça, même prendre en photo. Et tout le monde est étonné et surpris de voir que ce truc qui est là, c'est tout simplement Baphomet. Baphomet, c'est un démon que les gens adorent. Mais quel est le problème entre lui et ce que nous venons de voir? Le problème est que ces chaussures que nous venons de voir ont un lien direct avec ce démon, dans la mesure où ce démon est non seulement humain, c'est-à-dire il a l'air, c'est une chèvre qui a des parties du corps humain, mais en même temps, au niveau de son pied, on voit plutôt des sabots, là, juste là. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sabots, c'est quoi? Dans le témoin puissant précédent, on vous a demandé de chercher sur internet
Et dans cette vidéo, nous avons décidé de tout vous révéler et de tout vous montrer pour que vous puissiez bien voir. Peut-être que vous n'avez pas bien vu dans vos recherches, mais regardez bien. Ce sont des sabots. Ce sont des sabots. Des sabots. Exactement comme ça. Nous venons encore. Regardez ça. Regardez encore ça. Où est la différence? Dites-moi maintenant, où est la différence? Tu vas peut-être dire que c'est une coïncidence. Tu vas peut-être dire que c'est une coïncidence et que les gens se sont trompés parce que toi, tu es un gars gentil, tu es une fille qui est gentille. Si tu es une fille qui est gentille, c'est extraordinaire. Moi-même, je te kiffe. Mais ce qui est sûr, c'est que ces choses sont réelles. Est-ce que les femmes ne portent-elles pas de talons? Voici comment les femmes portent des talons aujourd'hui. Ça a commencé par là. Des trucs simples. On se posait la question, mais, ah, mais d'où ça vient? Pourquoi les femmes portent des talons, tout ça? Et on s'est dit que c'était normal. Plus loin, les choses ont commencé à se modifier. Finalement, on ne sait même plus ce que c'est. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne comprend pas. C'est pas normal. D'où ça vient? On voit ici un oiseau. Un oiseau qui a été fait, c'est-à-dire une chaussure qui a été faite sous forme de canard. C'est un canard. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et on voit encore ça. Une femme qui est tentée de marcher d'une manière incomprise, une manière dont vous ne pouvez même pas comprendre. Vous ne pouvez même pas comprendre ça. Ah! Franchement, c'est incroyable. Les hommes vraiment veulent marcher décidément comme les démons du diable. Et regardez ça. Ici, on voit une chaussure, bon, un talon qui est sous forme de je ne sais même pas quoi. Ce qui est sûr, c'est que ce talon a la texture d'un corps de serpent comme le python. Or, nous savons que le serpent, il est censé représenter le diable. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Ou bien on se trompe? Ah, c'est là que tu vas faire attention aux vêtements que tu portes, ma soeur. Si tu portes des vêtements où tu vois que la texture de ton vêtement ressemble au corps, au dessin qui se trouve même sur le corps d'un serpent, fais attention, il faut éviter ça. Sinon, en portant le vêtement ou encore en portant la chaussure, tu vas attirer cet esprit qui est derrière ça là sur toi. Et ce sera l'esprit du serpent. Tu peux penser que c'est la blague, mais ces choses-là sont réelles. Moi-même, je n'y croyais pas. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a surpris. Regardez encore ici. Que voyez-vous? On voit un homme qui essaie de porter ce talon-là. En fait, cette pointe qui est là, c'est lui. Donc, c'est lui qui sera en train de souffrir sous les pieds de la dame pendant qu'elle sera en train de marcher. Ou devons-nous dire, c'est elle-même la femme elle-même qui sera en train de souffrir juste en portant le talon. Les gens sont quand même étrangers. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça? Les gens ne font rien pour rien. Le diable ne fait rien pour rien. Le diable ne va pas inspirer un gars à créer une telle chose pour rien. Parce que vous devez savoir que les talons font marcher, font que les femmes marchent comme des démons. Je suis désolé, je suis vraiment, ça peut vous choquer. Ça peut même vous surprendre. Mais c'est réel. C'est réel, mes frères et sœurs. C'est vraiment plus réel que réel. Ah, mes frères et sœurs. C'est étonnant. C'est même surprenant. Et regardez même ça. Que voyez-vous, mes frères et sœurs? Ici, on voit la pointure qui est là, au lieu d'être un humain. C'est plutôt un crâne humain. Peut-être un crâne d'oiseau, je ne sais pas. Mais regardez vous-même et dites-le moi. Une chose est sûre, c'est que la présence de ce truc qui est là n'est pas du tout agréable. C'est ce que nous montre que le diable est derrière là, est derrière cette histoire. Et il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Et on revient au sabot.
au sabot de ce démon Baphomet, aux sabots qui sont là. C'est étonnant, c'est surprenant, mais c'est réel. Regardez cette femme. Est-ce une femme ordinaire? Elle est tout sauf une femme ordinaire, mes frères et sœurs. Elle est tout sauf une femme ordinaire. Peut-être qu'elle s'est mise de la peinture. Si elle s'est mise de la peinture, on va dire, waouh, qu'est-ce que c'est encore? Ce qu'elle suit, c'est que vous ne devez pas copier ça. Parce qu'il y a des choses qu'on appelle les œuvres du monde des ténèbres. Et Dieu nous a dit dans sa parole, ne vous affectionnez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça peut vous paraître bizarre, mais Dieu savait qu'il y aurait tout ça. Des choses hors du commun. On ne sait même pas ce que ça signifie. Comment un oiseau peut-il se trouver sur une chaussure comme ça? Qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, quand vous voyez ça, ne pensez pas que c'est un truc normal. J'ai un oiseau simple, c'est juste pour le fun. Il n'y a pas de fun, le diable n'a pas de temps. Il cherche comment faire pour entrer dans la vie des gens. Et s'il ne sait pas comment faire pour entrer dans votre vie, il va vous amener à acheter un truc sur le marché qui est à son honneur. Et cette chose-là peut se répéter comme suit. Des oiseaux qui sont juste là, ça m'étonne. Et l'image la plus, qui m'a le plus étonné, c'est cette image-là. Regardez comment les femmes sont en train de souffrir, mais juste en cherchant même à juste marcher. Est-ce que pour marcher encore là même là, il y a un problème de temps? Est-ce que pour porter une chaussure encore, il y a un problème de temps? Le diable veut nous créer des problèmes partout. Mes frères, nous devons savoir ça. Regardez ça. Ma soeur, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la souffrance. C'est que les gens distillent ça. Le diable veut que les gens marchent comme des démons. Et au final, son pied va devenir comment après? Comment son pied sera-t-il après? Comment sera son pied après, plus tard? Peut-être que son pied va s'enlever. Ou en tout cas, tu vas te faire masser la cheville, hein? Tu vas te faire marcher les orteils, mon frère, ben ma soeur, regarde toi-même. Et quand les gens voient ça, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent, ouh! Comme c'est la classe! Comme c'est cool, c'est extraordinaire! Comme c'est chic, oh, c'est joli! Ça, c'est joli! Attends, mais j'hallucine ou quoi? Toi, je vais nettoyer les yeux ou quoi? Mes frères et sœurs, il y a du mal vraiment à y croire. C'est vraiment compliqué. Quand nous voyons de telles choses, on se dit vraiment le diable et ses démons existent. Et ils veulent vraiment inspirer les gens. Qui vous inspire, mes frères et sœurs? Qui vous inspire? Dis-moi, qui t'inspire? Est-ce que c'est le Saint-Esprit vraiment qui t'inspire? Ou ce sont les démons qui t'inspirent? Analyse ta vie aujourd'hui. Regarde ça. Du mal à y croire. Ok. Très bien. Regardez encore ça. Ça ressemble à quoi? On a l'impression que ce sont des pattes d'un oiseau ou d'un poulet. Ce sont des pattes d'un poulet. Mais qu'est-ce que les pattes d'un poulet foutent là? Foutent là les pattes. Mes frères et sœurs, c'est ça. Les démons, vraiment, ils fatiguent les champs. Et regardez ce que ça donne. Les gens ont dit que c'est joli et que c'est stylé. Les femmes même vont apprécier ça et vont même se mettre à les porter comme ce que vous voyez ici. Regardez le résultat. Quand une femme porte un truc pareil, c'est ce que ça donne. En plus, elle est jolie. Regardez ça. Ça m'étonne. À la fin de cette vidéo, vous verrez une vidéo où on verra une femme même qui va porter ça et marcher devant vous. Vous serez même surpris. Mais c'est ça le résultat.
C'est inquiétant. Les humains se sont laissés séduire par les yeux du monde des ténèbres. Aujourd'hui, le résultat est vraiment alarmant. On voit une chaussure encore dans le même style. Et on voit encore un revolver qui est là. Un revolver. C'est vraiment inquiétant. Où sommes-nous, mes frères et sœurs? Encore un serpent ici. Et un revolver. Ça signifie quoi? Le meurtre ou encore la mort. Ou les gens veulent dire que cette chaussure, c'est la chaussure de la mort. Mes frères et sœurs, nous devons découvrir des choses extraordinaires ici. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Regardez ça. Ça m'étonne. C'est surprenant. Mais nous devons vous montrer ces choses. Même des hommes portent de telles choses. Regardez ce que les hommes sont en train de faire. Les hommes aussi de tel style. Vraiment, c'est quoi ça? Est-ce que c'est joli, mes frères et soeurs? Si je te donne ça en cadeau, tu vas prendre. Si je te donne un truc pareil, cadeau, tu vas prendre, mon frère. Ça m'étonne. Là, c'est clair. Ça vous fait marcher comme les démons. Marcher comme les démons. Et les choses sont là, hein? J'ai du mal à croire que les femmes si belles et si jolies arrivent jusqu'à ce niveau-là. Je suis même choqué. Mes frères et sœurs, préparez-vous. Maintenant, vous allez voir un truc. Vous allez voir comment les gens ont décidé de porter ça, c'est-à-dire surtout les femmes. Regardez dans la vraie vie ce que ça donne. Ici, on voit une femme. Elle est juste arrêtée là devant vous, devant nous tous ici. Et elle a porté des chaussures de sabots. D'ailleurs, des chaussures sabots, je ne sais pas comment elle l'appelle encore. Et regardez ce qu'elle a été fait. Regardez ça. Voici comment on marche avec. Voilà. Vous voyez? Ça se répand, c'est populaire. Mais elle sortit de sa façon, elle s'est foutue des ténèbres. Et regardez cette femme qu'elle a. Elle a même une queue même. Revenons, on a regardé, regardez là. Et on veut juste en arrière, vous allez bien voir. Voilà. Elle a même une queue à l'arrière qu'elle remet bien pour vous montrer. Regardez encore. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Il y a un truc qui ne tourne pas rond ici, et regardez comment on fabrique de telles choses. Ça m'étonne. Les gens sont inspirés par les démons sans s'en rendre compte. Il y a une chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est exactement ça. Waouh! Vous voyez? J'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire. Et ça se fabrique, hein? Et les gens prennent du temps, ils font tout ça juste pour vous montrer ça. Et c'est la manière de fabriquer qu'elle a. Waouh. Ça m'étonne. Vous voyez ça? Si vous avez pensé que c'était de la blague, maintenant vous avez les images devant vous. Vous pouvez voir comment les gens fabriquent, c'est réel. C'est vraiment réel. Ah mon Dieu. C'est étonnant. Regardez comment elle danse. Elle danse. Oh, elle bouge. Ouh. Mes frères et sœurs, qu'en dites-vous? Que pensez-vous de ça, mes frères et sœurs? Que pensez-vous de ça? Permettrez-vous d'avoir votre fille ou à une personne que vous aimez de porter un truc pareil? Est-ce que vous accepterez? Accepterez-vous? Réagissez maintenant, répondez-moi.
Dites-le moi. Il y a un truc encore que j'ai bien envie de vous montrer. Nous espérons trouver cette vidéo. Mais répondez-moi. Permettrez-vous à votre enfant, à votre fille que vous aimez bien, de porter un truc pareil? Permettrez-vous à votre enfant de porter un truc pareil? Mes frères et sœurs, le monde fait peur. Le monde dans lequel on se trouve là, ça fait même plus peur que peur. Une vidéo que j'aimerais bien vous montrer, il suffit de chercher. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la cloche. Je cherche la vidéo. Vous allez voir. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Et réagissez dans la partie commentaire. Maintenant, réagissez dans la partie commentaire. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et imaginez un seul instant où les gens décident d'utiliser les célébrités pour porter de telles choses. Quel impact ça aura sur la société? Forcément, il y aura des groupes de personnes qui vont à 100% accepter le truc. À 100%, beaucoup de personnes accepteront le truc, la chose. Et c'est là maintenant ça va se compliquer. Oh, où ai-je mis la vidéo? Là, nous sommes en train de chercher dans nos répertoires. Nous cherchons la vidéo en question. Voilà, on cherche. Mais c'est réel, si nous avons trouvé Dieu, merci. Si nous avons trouvé Dieu, merci. Mais ces choses sont vraiment réelles. Maintenant, dites-moi, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui vous a le plus même surpris dans cette affaire? Qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Vous ne pensez pas que quelqu'un pouvait porter un truc pareil, une femme pourrait porter ça. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne voit pas tellement ce genre de choses dans notre société. C'est rare. C'est rare de voir une femme porter des choses, mais ça existe. Ça existe. Ça existe. Nous cherchons les images. Une image. Voilà, nous sommes presque. Voilà. Nous revenons. Voilà, vous allez voir. Ah, ok, 1, 2, 3, 4, 5, je pense que ça pourrait être prêt dans quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5, bien. Regardez ça. Que voyez-vous ici, mes frères et sœurs? Ici, on voit une femme. Elle est juste là, habillée comme si c'était un truc, on ne sait même pas ce que c'est. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Est-ce que vous avez bien vu? Regardez. Les choses sont claires. Et regardez ça. Vous allez voir, nous allons faire défiler les images, vous allez voir de vous-même. Vous serez même surpris. Vous serez même surpris. Nous allons faire, voilà. Regardez encore, c'est la même, elle est ici. Elle est ici. Ah, regardez comment l'ennemi, le diable, l'a transformé en un objet, une jeune créature horrible. Oh, elle est jolie, c'est la fille de Dieu. Et regardez comment ses sabots sont. Ça, c'est une star de la musique qui a porté tout pareil. Et regardez comment elle est cambrée. C'est comme une personne qui est possédée. Hein? Oui, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est de la blague maintenant? Est-ce que ça c'est de la blague? La vie n'est pas un jeu. Hein? La vie n'est pas de la rigolade. La vie, c'est vraiment pas de la rigolade. La vie n'est pas de la blague. Ce n'est pas un truc pour rigoler, pour s'amuser ou pour faire quoi que ce soit. Regardez vous-même. Est-ce que vous voyez? Mais oui. Mais quelle est cette position qu'elle vient de, elle a été occupée là? Quelle est cette position? Regardez. Regardez là. Elle est tenue de façon chaude. Et elle habille comme quelque chose de bizarre. Et regardez ce qu'elle fait. Le doigt d'honneur. C'est pourquoi, généralement, quand les gens font ça, c'est pour insulter les gens. Et la question que tu te poseras, c'est, mais
elle insulte qui? Mes frères et sœurs, c'est vraiment hallucinant. Tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est vraiment inquiétant. Et c'est ça, l'occultisme. Le diable qui est en train d'être adoré par les humains. Et tout ça, ça ne plaît pas à Dieu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, réveillez-vous. Si vous aimez ces choses, faites attention. Maintenant, dites-moi, comment vous vous comportez? Comment est-ce que vous vous comportez? Comment vous réagissez? Quel est votre comportement? Que faites-vous maintenant, vous, chez vous? Que faites-vous? Chez nous, on dit toujours que pour bien connaître, découvrir les gens, là, il faut s'approcher d'eux. Aujourd'hui, la meilleure façon de s'approcher des gens, c'est de les découvrir sur les réseaux sociaux. Et c'est sur un réseau social que nous allons découvrir des gens que nous allons sélectionner au hasard. Regardez ça. Que voyez-vous ici, mes frères et sœurs? On voit des femmes. Des femmes, des gens, des personnes. Et on voit que ces gens sont habillés d'une manière assez compliquée. On va dire d'elles qu'elles sont sexy. Et en particulier cette fille qui est là. Et cette fille qui est ici. Et aussi cette fille qui est là. De toute façon, elles sont toutes les trois sexy. Regardez vous-même. Quand on clique sur la première image, regardez. Toutes belles. Mais elles veulent toutes être sexy. Elles veulent toutes être une personne qui ressemble à une star. Elles veulent ressembler à des stars. Or, il y a des choses bizarres qu'elles ne savent pas forcément. Et en le faisant, elles exposent carrément leur corps. Poussant ici les gens à les désirer sexuellement. Et ces genres de choses sont réelles. Quand on va plus loin, on peut voir encore d'autres choses. Des choses que vous pouvez voir. Regardez aussi cette image qui est là. Elle est jolie. Mais toujours dans le même contexte, sa petite jupe, elle est dans une petite jupe qui est aussi sexy. Et les gens aiment être sexy. Parce que pour eux, c'est une bonne affaire. Franchement, regardez ça. C'est exactement ça. Et regardez encore ça. Là, on peut dire qu'il y a quelque chose encore qui ne va pas. C'est à peu près dans la même dimension. Et c'est exactement ça. Les gens veulent vraiment, décidément ressembler au monde. Or, Dieu nous demande de ne pas aimer le monde ni les choses de ce monde. Regardez vous-même. Toujours dans le même contexte. Sexy. Ah! Est-ce qu'une personne habillée de la sorte peut-elle entrer dans le royaume des cieux? Une personne qui est habillée comme ça, avec les jambes, avec les talons, ici comme le voyez, les talons. Est-ce qu'une personne comme ça peut-elle entrer dans le royaume des cieux? Vous direz sans doute, oh, Dieu ne regarde pas tous ces genres de choses. Lisez le livre de Timothée, vous allez tout découvrir. Même le témoin puissant précédent dit long sur le sujet. Et quand vous regardez ça, nous découvrons vraiment que le diable s'intéresse vraiment beaucoup aux femmes, au point où les femmes même ont des droits d'honneur, font aussi des droits d'honneur. C'est-à-dire qu'elle, elle a sans doute. Regardez le clip que nous venons de vous montrer précédemment avec cette femme en talon noir. Et c'est ce que les gens copient. Les gens copient le monde. Et regardez. Il y a les talons toujours. Ce genre de choses sont réelles. Il y a d'autres chaussures tranquilles, simples, que d'autres personnes peuvent acheter. Et c'est normal. C'est le monde. Et ça, ce sont les femmes d'aujourd'hui. Voici ce que les femmes font. Les femmes se maquillent. Les femmes veulent tout le temps maquillées, tout le temps sexy et tout le temps belle. Tout le temps propre, c'est pas mauvais. Mais quel est l'esprit qui pousse les gens à le faire? C'est ça qui est le problème souvent. C'est vraiment assez inquiétant. C'est vraiment assez inquiétant souvent. Et quand on va plus loin,
Vous allez voir, on voit de plus loin, on voit beaucoup de choses. Là, on peut voir encore une femme. Tout son corps est vraiment bien couvert. Bien couvert de haut en bas. Vous voyez, c'est bien couvert. Et pourquoi les femmes ne veulent-elles pas mettre bien s'habiller souvent? Mais regardez, si elle est bien habillée comme ça, à qui ça fait du mal? Elle, au fur et à mesure qu'elle s'habille bien, nous on la considère. Et on la respecte encore mieux. Par rapport aux femmes qui vont juste exposer la cuisse, tout ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert décidément à rien. Vous voyez, voici comment les femmes se présentent. Elles se présentent de façon sexy, elles se disent qu'elles sont sexy. Et c'est ça le monde dans lequel nous sommes. C'est une chose qui ne plaît vraiment pas au Créateur. À celui-là même qui a créé l'univers qui se trouve devant elle, devant qui elle se prend en photo. Est-ce que vous voyez ça? Je pense que vous commencez à comprendre qu'il y a une chose qui se passe. Que Dieu nous aide à sortir de ces choses, à sortir de tout ce qui n'est pas de lui. Regardez juste ce témoin puissant précédent et vous en saurez plus. Ce témoin puissant pourrait apparaître à la fin de cette vidéo. Sur le camp, ne manquez pas de le regarder et vous découvrez des choses même qui vont même vous détenir. Et quand on ne parle pas les femmes, on ne peut pas oublier les hommes. Parce que ce sont les maîtres. Au niveau des hommes, c'est ça à quoi on assiste aujourd'hui. On assiste à des gens qui se tatouent, qui transforment leur corps en panneau publicitaire, ou encore en ardoise, où on peut dessiner facilement. Et ça, vraiment, Dieu n'est pas du tout d'accord avec ça. Il n'est pas du tout d'accord avec ça. Franchement, c'est ça le monde, le nouveau monde. Le monde dans lequel nous sommes, les femmes vont ressembler aux sirènes. Les femmes vont ressembler aux femmes plus belles que belles et très maquillées. Et la beauté naturelle n'est plus prise en compte. Qu'en pensez-vous, mes frères et sœurs? Si nous avons montré toutes ces choses, c'est pour vous permettre de bien comprendre le témoin puissant précédent. Vous pouvez le regarder juste à la fin de cette vidéo. Allez le regarder pour découvrir ce que vous avez manqué. Et dites-nous vraiment, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous avez plus étonné? Et essayez d'abattre les commentaires, on vous attend. Et en cliquant sur ce bon juste sur cette vidéo, après que vous êtes abonné, bien entendu, vous aurez accès à la page d'accord, vous allez voir des vidéos populaires et vous verrez également nos trois autres chaînes, s'il vous plaît. Abonnez-vous tous sur nos trois autres chaînes si ce n'est pas encore fait. Nous voulons atteindre 1000 abonnés pour chacune de ces chaînes. Et nous comptons également sur vous. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Partager la vidéo aussi et amener les gens à nous dire ce qu'ils en pensent. Et ce sont les femmes qui seront le plus concernées par cette histoire et les hommes. Préparez-vous parce que une vidéo sortira sur vous aussi. Ça va être chaud. Ça va être chaud comme quoi?